Lancement dans les régions de Koulikoro-Sikasso du projet intitulé Santé de la mère du nouveau-né de l'enfant. Sa mise en œuvre vise la découverte efficiente des besoins de santé de cette frange de la population dans les régions concernées. Daouda Diakité, correspondance. Le projet Santé de la mère du nouveau-né et de l'enfant, objet du présent forum régional de Sikasso, est le fruit du partenariat tripartite gouvernement du Mali, Agence canadienne pour le développement international ACDI et la Croix-Rouge canadienne et malienne. Prévu pour une durée de 3 ans avec une enveloppe financière de plus de 1 milliard de francs CFA, ce projet vise essentiellement l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant dans les régions de Koulikoro et de Sikasso. Je crois que c'est un projet qui est bienvenu, qui nous permettra effectivement pour la région de Sikasso, avec l'appui du ministère de la Santé et la Croix-Rouge canadienne, d'accéder à des populations vulnérables par rapport aux soins essentiels de santé de la mère, de nouveau-né et de l'enfant. Cette initiative du village de Moskouka du Canada s'inscrit en droite ligne de la feuille de route élaborée par le ministère de la Santé et ses partenaires en vue de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les assises de ce forum interviennent dans un contexte marqué par l'élaboration du nouveau plan décennal de développement sanitaire et social 2012-2021, ainsi que l'environnement institutionnel marqué par la concrétisation de l'application du décret 02-314 relatif au transfert de compétences aux collectivités territoriales en matière de santé. Les initiateurs du projet veulent, à travers cette rencontre, disséminer le contenu, les stratégies et identifier avec les acteurs les actions adéquates pour une amélioration substantielle des besoins de santé de la mère et de l'enfant en 3e région.